Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour la suite de notre Let's Play sur Hogwarts Legacy. Nous sommes sur une quête secondaire, nous aidons à obtenir une preuve pour Duncan de son courage. Il nous a envoyé en fait sous la serre de Poudlard, là où ont lieu les cours de botanique. Eh bien c'est un endroit apparemment peu fréquentable, on va voir ce qui se cache dans ce donjon. Je dois franchir ce filet du diable, il a l'air de proliférer dans l'obscurité, alors peut-être qu'il n'aime pas la lumière. Lumos. On va faire un petit Lumos. Filet du diable qui est, je crois, eh bien, ce qui retient Ron, Harry et Hermione en allant sous la trappe du chien à trois têtes. Je crois qu'ils arrivent dans les filets du diable et c'est Hermione qui, eh bien, toujours en lisant les livres de la bibliothèque, avait connaissance du point faible du filet du diable. On peut voir que notre personnage aussi connaît cette petite subtilité. Ça aide toujours. En tout cas, ravi de vous retrouver. Hein. Vraiment, je me plais à partager cette aventure avec vous qui ira au bout. On prendra notre temps voilà, d'explorer, de contempler. Et je ne sais pas si vous jouez en même temps ou si tout simplement vous venez passer du bon temps avec moi. Mais en tout cas, merci. Merci de donner de la force à cette belle petite série. Alors on va venir, je ne sais pas quel est le chemin principal, si c'est celui-ci ou celui du haut. C'est peut-être par en bas. Rebellio. Ah, il y a un petit coffre par là. Est-ce que si par exemple je fais ça, ça les fait déguerpir. On va sauter par là et ouvrir le coffre. On a un béret byzantin. D'ailleurs, alors sur les commentaires, il y a eu quelque chose qui est quand même qui peut nous sauver. Qui peut nous sauver, c'est que l'on peut en fait changer. Donc bien, c'est bien ce que je pensais. Hein. Mais les équipements que l'on met en place, par exemple le couvre-chef ici, donc peut-être le mieux. Ouais, il est un petit peu mieux. Le béret, on peut changer en appuyant sur X. Voilà, X directement. Changer l'apparence, c'est ici que ça se fait. Et en fait on peut évoluer, faire évoluer donc les différents chapeaux. Voilà, pour avoir un look un peu plus un peu plus raisonnable ou un peu plus coordonné avec les anciennes apparences de tout ce qu'on a vendu. Donc ça c'est assez cool quand même de se dire qu'on va pouvoir changer ça. On va se faire une petite tenue en 2-2 hein. On va se faire une petite tenue en 2-2 un peu plus un petit peu plus classe. On va se mettre avec des gants. Peut-être. Oh, les lunettes étaient très très belles, hein, mais on peut peut-être se mettre des. Ah ouais. Il y a du look. Hein. Il y a du beau look. Ouais, ça c'est quand même assez exceptionnel. Alors la monture d'or fait classe. Hop là. Le couvre-chef. Donc on a vu ça. Le bite baguette. On va pouvoir changer aussi d'apparence. Ça fait super plaisir hein, d'avoir voilà la petite écharpe Gryffondor. Là déjà on a, je trouve, quelque chose qui est plus appréciable. Oh. Waouh. Non mais attends, cette tenue de mage noir ça. Ah ouais, mais ça c'est pas du tout ce qu'on veut nous. Uniforme d'historien authentique. Ah, les farceurs Zonko. Et on a quoi donc là? On a la cape du prépuscule ou la cape celte héroïque. Ah ouais, il y a des. Voilà, on va se remettre comme ça. Et donc en tenue d'ensemble, on a différentes choses. On a tenue de nuit légère. Préfet avec gilet. Ça fait très premier de la classe. Hein. Ça fait très premier de la classe. On a tenue royale bleue de combat. Ou l'ensemble de mage noir. Là, on dirait limite. Ah là, je suis un premier de la classe. Magnifique. Magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je pense que là, ça va nous demander. Voilà, notre. J'allais dire notre numéro. Mais non, à cette époque-là, c'était notre hibou. Hein. Voilà, on va demander notre hibou. Bien sûr, pour nous envoyer. Oh là là, la classe. Là, on est bien. Hop. Ah! Lumos. Ah oui, si je fais pas de Lumos, ça va pas aller. J'ai pris des dégâts du coup totalement gratos. Ok, on a quelque chose qu'on peut bouger, j'imagine ici. Action. Lumos. Ouais, on a les. Ouais, attention. Un petit passage, on va aller voir ce qui se cache par là. Je me demande si le filet du diable protégeait quelque chose. Aïe! Aïe, 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 aïe! Ah oui, Lumos. Lunettes œil de triton à monture orange. Bah c'est un petit peu les mêmes que l'on avait là. Hein. Incendio. Lumos. Voilà. Ouais, il faut peut-être que j'allume un petit peu plus. On a la tenue qui est mouillée, mais tout va bien. Équipement. Donc on a eu peut-être des nouvelles lunettes ici. Ah oui. Ah, c'est des lunettes qui rigolent pas. Ah oui, des lunettes légendaires œil de triton à monture. Ah mais je suis obligé à chaque fois de changer le... D'accord.
Ah, il y a un look quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a un look avec les yeux de Triton. Là, il y avait un petit look. Hein. Il y avait quelque chose. Ok, en tout cas, niveau stuff, on est plutôt bien. J'imagine qu'un bout de cette énorme tentacule avénéneuse suffirait à Duncan. Est-ce que je peux passer là son courage. Ah, Lumos. Ah, des galions. Récupérons. Rebellion. On va aller en récupérer. Hop là. Incendio. Ah oui. Il n'y avait rien de bien caché par ici. Ouais, c'est vrai que l'incendio est pas si grand que ça. Ouais, je pense qu'on a fini la quête, retourner voir Duncan. Eh bien, on va aller retourner voir Duncan. La sortie est par ici. Ah, je suis quand même content d'avoir trouvé un look. Hein. C'est vrai qu'on avait un style très particulier, mais on peut le dire, c'était quand même plutôt bien. Ah, qu'est-ce qu'on a là ? Lumos. Oh, on peut récupérer des tentacules venimeuses. Ah, ce qui est plutôt pas mal, hein. Ah ouais. Je récupère, hein. Bien sûr. Bien sûr que je récupère. Il y avait rien d'autre s'il y en avait encore là. Ah, on est littéralement en train de dévaliser la prof, quoi. Elle va arriver le matin et dit, mais attendez, mais où sont mes plantes là? Eh bien écoutez, je ne sais pas. Rebellio. Oh, il y avait un coffre qui était caché par ici. Ah, c'est un plaisir, hein, toujours de se... Lumos. De se balader ici. J'avais pas vu la sortie, elle était où? Elle est ici, c'est ça la porte? Ah oui, effectivement. Rebellio. Oh, nous avons quelque chose par là. Toujours à la recherche du moindre détail, hein, et des guides de sorciers, on y va. L'arbre de la serre, trônant au centre de la serre de Poudlard, cet arbre géant possède des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre et sont aussi tortueuses que les cachots de l'école. Et on a un petit voyage rapide ici. Alors je sais qu'il y en a certains qui disent... Ah, voyage rapide, on évite pour vraiment profiter. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Mais je sais que ça deviendra quand même un moyen de locomotion, on va dire, plutôt sympathique au fur et à mesure. On avait visité hein, les hauts de la serre, je crois qu'on avait fait vraiment le tour. Donc on va pouvoir aller voir Duncan qui va pouvoir, j'ai envie de dire, Rebellion. Se gargariser. Hein. Ah, ici on a quelque chose que l'on peut faire. Ah non, je peux pas passer malheureusement. Ok. Il est où Duncan? On n'avait pas vu ça ici? Ça m'étonne. La fontaine du hall central. Cette fontaine ouvragée est ornée de statues de créatures du monde magique, notamment des sirènes de pierres enchantées qui encerclent la base de la sculpture. Je pensais qu'on l'avait vu ça. Rebellion. Ok. Duncan, est-ce qu'il est encore debout là? Parce que j'ai l'impression que c'est la nuit là à Poudlard, je ne m'abuse. Un point qu'on n'avait pas j'ai découvert. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Ah bah voyage ouvre l'esprit. Une fois qu'on l'a vu une fois, je pense que c'est bon. Ah, je peux sortir, j'allais dire je peux pas. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baffes-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Oh, il y a une baffe-boule. Action. C'est l'une des baffes-boules de Zenobia. Je ne vois pas pourquoi elle en fait toute une histoire. Oh, il y a des baffes-boules. C'est par là. Rebellion. Ils les ont cachés ici, les baffes-boules? Bah attends, si on peut faire d'une pierre deux coups. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendre quoi, là? Non mais attends, on va aller voir Duncan s'il fait le mur, là, et il y a une quête secondaire. Je vais juste lui rendre à notre ami Duncan s'il est là. Ah bah il est là, écoute, il nous attendait. Tu as trouvé quelque chose pour que je prouve mon courage? Bonjour Duncan, j'ai la preuve qu'il te fallait. C'est une feuille! Cette tentacule avénéneuse devait être énorme. Énorme. Je n'en attendais pas tant. Je savais que j'avais bien fait. Ah demander. Bah pas de soucis. Merci de l'avoir récupéré pour moi. Ah le béret est quand même classe hein. Pas de problème. J'espère que ça t'aidera à te faire accepter. Quand je montrerai ça à tout le monde dans la salle commune ce soir, les gens arrêteront sûrement de m'appeler Obursouf. Ça devrait prouver à Everett que ce surnom est ridicule. Merci encore. Et passe une bonne journée. La mienne le sera. Intelligent, le cerf d'aigle. Merci de m'avoir aidé. On ne m'appellera plus Obursouf de sitôt. Non mais intelligent, le cerf d'aigle, puisqu'au final, voilà, il fait faire sa sale besogne à quelqu'un d'autre. Et on est bien. Attends, parce que moi là il y a une quête, moi je veux la faire. Hein. Je sais pas ce que. C'est... On est en train de se perdre, mais c'est ça qui est plaisant avec les jeux comme ça. C'est que c'est ça qui est bon.
du Dédale sont de retour. Elles sont incroyables, n'est-ce pas? Quoi? Qui c'est Nelly? Bonjour Nelly. Tu as l'air enthousiaste, dis-moi. Les clés du Dédale sont de retour. Les clés du quoi? Et les clés du Dédale. Tu les as sûrement déjà vues voler dans les parages. Pas du tout. À en croire la rumeur, une ancienne directrice, le professeur Moll, les a conjurées pour protéger le contenu de certaines armoires verrouillées, il y a plusieurs années. Le professeur Black ne daigne pas désenchanter les clés, et elles apparaissent certaines années. Tu devrais essayer d'en attraper une. Et pourquoi je ferais ça? Chaque clé te mènera à une armoire verrouillée quelque part dans le château. Oh, du trésor! Si tu réussis à insérer la clé dans la serrure de l'armoire, ce qui n'est pas facile, tu y trouveras peut-être une récompense. Bien sûr. Et pourquoi tu les suis pas, toi, d'abord? J'imagine que tu vas essayer de relever le défi, toi aussi. Oh, j'ai essayé, je n'arrive pas à aller au-delà des premières armoires. Ah, il y a toute une série. Tu t'en peut-être mieux que moi. J'aimerais savoir ce que contiennent ces armoires. Ok, Nelly. On a un vrai style, là. J'irai tenter ma chance. J'espère. D'ailleurs, j'ai entendu l'une des clés dans la tour d'astronomie. Tu devrais tendre l'oreille pour essayer de les entendre. Merci pour le coup de main. J'espère au moins que tu suivras quelques clés. Si fait, lui. Si tu réussis à ouvrir une armoire. C'est une connerie, lui. J'aimerais bien savoir ce qu'elle contient. Ce que vous faites, monsieur, là. Oh là, oh là, oh là, je me rapproche pas. Attention. Se faire transformer encore. Trouver la clé du Dédale dans la tour d'astronomie. Mais on a quoi comme quête actuellement? Alors attendez, parce qu'on va aller faire un petit tour. Aux côtés de l'inventaire, nous avons récupéré quoi? Une bave boule de Zenobia. Petite boule magique. Elle asperge d'un liquide malodorant tous les joueurs qui perdent un point. Ouais, mais ça, ok. On est bien, on est à 9% des défis et des quêtes. On a du collectible qui s'est rajouté. Qu'est-ce qui s'est rajouté? Ah, la fameuse tenue, donc tenue de tentacula vénéneuse. Et le contenu additionnel... Ah, ça, c'est le tenue qu'on récupère... j'ai la tenue de Merlin ou pas? Ok. Elle a pas dû s'afficher ou j'ai pas dû la récupérer. Normalement toutes les tenues additionnelles sont débloquées puisque la dernière c'était sur Twitch avec la tenue de Merlin où il fallait rester dessus sur le stream je crois des créateurs du jeu 20 minutes, j'avais laissé tourner ça donc c'était good, on devrait les avoir toutes les tenues, elle doit être jolie d'ailleurs la tenue de Merlin, bizarre que je l'ai pas, j'irai voir ça après. Quête et devoir, les clés du Dédale, ok, nous on avait les baves de Bavoul, ah il y en a 6 à récupérer, d'accord, ou les secrets de la bibliothèque Incendio. Et le sort de désillusion. Retourner dans la salle du closet faire fig. Ok, on va aller faire ça. On va s'avancer un petit peu sur la quête principale aussi. Et dans le même temps, s'il y a des quêtes secondaires, eh bien, on prendra le plaisir de se perdre à nouveau parmi elles. On est descendu. C'est bon, on a tout. Ok, tous les collectifs sont vus. Au niveau des défis, on est à combien? Donc là, on est à 11% des quêtes et à 36%. Mais voilà, 0%, 0%, 0% sur les combats. On a encore du chemin à parcourir. Et nous n'en sommes qu'au début de ce let's play. C'est parti, allons voir le professeur Fig. Qu'est-ce qui se cache ici? Chouk, 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 chouk. Alors que niveau FPS, bah, j'ai plus du tout de problème hein, depuis que j'ai désactivé le ray tracing. Mais effectivement, le ray tracing qui donc... est un gros problème sur le jeu, qui est très gourmand, et on attend toujours les patchs du jeu ou d'NVIDIA, hein, pour essayer de maximiser ça. Ray tracing qui est quelque chose qui permet d'avoir vraiment un rendu parfait que j'avais mis sur les quelques premiers épisodes, mais qui portait souci, on va dire, hein, clairement. Revelio. Qui portait souci. Quant aux performances, depuis là, ça doit être parfait pour vous maintenant. On est en tout ultra, sans le ray tracing. Ah, il y a un petit coffre ici. On va récupérer une potion de Wingelwald. Il n'y a rien ici. On va l'attendre. Bonjour, monsieur. Voilà. Oui, je suis là. C'est là. T'es des conneries, là. Bonjour, monsieur. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Ekat. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Ah, très très bien. Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Cela dit, nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Bon, si nous continuions... Eh bien, avec... Fig, ah. J'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon emploi... Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève. Ah bah super. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau, et dépêchez-vous. Super sympa ce Black. Donc on m'a dit dans les commentaires que c'est l'arrière-grand-père, si je me trompe pas, de Sirius Black.
qui n'est autre que long homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais, professeur... Nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Très bien. Hey, je fais un peu blanc, notre personnage, au final, là. Il veut aussi vieillir. Ah, tout le monde vieillit. Parlez à Sébastien, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Il aura peut-être une idée. Ouais, peut-être. Faire des conneries, surtout. Sébastien, il n'est pas à côté de la tour d'astronomie, justement ? Ouais, parce que là, c'est la tour d'astronomie. Révélio. Pas la clé, là, par là ? On va aller voir, parce que la clé doit être juste ici. Non. Je vais activer la quête quand même. Vu qu'on est à côté, autant récupérer cette fichtre, la clé là. Faut encore monter. Ah oui, elle est un petit peu plus haut. Bon, elle était juste à peine, hein, mais c'est vrai qu'autant aller la chercher. Hop là. Oh, le sprint. Et il commence à avoir des cuisses. C'est impressionnant là. Ah oui, c'est vraiment tout en haut, tout en haut. C'est là où on était monté au début. Poussez-vous s'il vous plaît. Hop là. Trouver la clé du dédale. Ah, dans l'entendre. Révélio. Une clé du dédale. Je me demande où elle va me mener. Elle est où? Je l'ai pas vue. Ah, on l'avait vu ça. Lumos. Tout en haut ça. Tout en haut, tout en haut. Attendez, Attendez-moi. Attendez-moi, on a un petit papillon à venir chercher. C'est encore un petit peu plus haut, je crois. Ah oui, c'est ici. Venez ici, mon cher papillon. Parfait. Je vais vous ramener. La clé du dédale est par là, mais... On est... Ça y est, on s'est perdu. C'est la magie de ces jeux-là. Et c'est vraiment un plaisir. C'est de se perdre. Voilà, on était parti pour une clé. On se retrouve avec un papillon. Allez. Sting. Hop là. Alors du coup, la clé du dédale, elle était plus bas, hein, je crois. Elle était par là. Elle est descendue, je l'ai pas vu descendre. Révélio. Elle est par là? Quel plaisir de vous revoir. Mais elle est là, c'est elle. Ah, il y a une petite note là. Ma chère Satyavati, pardon. Tu seras ravi d'apprendre que j'ai eu des nouvelles de mes contacts à Cambridge qui ont finalement avoué qu'ils s'étaient trompés quant aux pluies de météores. Apparemment, un astronome irlandais et un autre anglais, quant à lui, se seraient basés sur les travaux d'un confrère italien, se sont tous émoldus. De ce que je sais, ils auraient proposé de calculer la position de la poussière en orbite autour de la Terre afin de relier les météores aux comètes. C'est particulièrement brillant, je me demande ce qu'il pourra accomplir en possession d'un télescope enchanté. Malheureusement, lors de nos correspondances, j'ai ressenti le besoin de continuer à utiliser le pseudonyme qui était le mien lorsque je faisais passer pour un érudit. Si le fait de posséder une identité secrète peut être amusant, sa raison d'être me dérange davantage. J'ai hâte de voyager avec toi jusqu'au Jantar Mantar cette année. Ce sera une aventure fascinante. Tu me manques, ma sœur chérie, et j'espère que tout va bien pour toi avec toute mon affection. Shurita et Satyavati. Et c'est ça qu'on a trouvé là. Voilà le meuble. Où dois-je mettre la clé? Bah dans le trou, hein. Ah, il faut frapper. Ah d'accord, quand elle passe, il faut frapper. Vas-y, feinte-moi, tu vas voir, toi. À moins qu'il faille frapper dès maintenant. Magnifique. Oh non, bah si c'est aussi simple que ça, ça va. Oh, pièce. Nelly sait peut-être de quoi il s'agit. Retournez voir Nelly avec le jeton de maison. Révélio. Bon, des choses dans cette pièce d'astronomie. Aucun coffre, c'était pas un coffre, ça non.
Ok, tout va bien. On peut redescendre. Ça me fume d'entendre à chaque fois ça, les chuchotements. Ok. Je vais aller voir Sébastien. On va continuer les quêtes. Les quêtes s'enchaînent, mais on va... Hop là. Alors, trouver Sébastien. Sébastien ? Je sais plus. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, cet homme serpentard. Allons descendre. En cette aile, on commence bien à la connaître. Je pense qu'après, au fur et à mesure, les quêtes doivent nous amener eh bien, dans d'autres ailes du château. Hein, Sébastien est juste dessous. Ok. Stock, stock, stock. Finalement, on est déjà à 10%. Hein. Tu me diras, on avance, mais tranquillette. Quasiment pas fait. Alors, là, on n'a pas fait quasiment la quête principale. C'est là où on avance un petit peu, mais bon, c'est le plaisir aussi hein, d'explorer. Il est là. Sébastien, voilà. C'est bien ça. Te voir. J'étais aux trois balais après l'attaque du troll. Et ah oui. J'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow. Bah, t'étais pas les là, quoi. Les élèves se font remarquer par ouais. Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est... Je sais pas trop. C'est la première fois que je le vois. Il me prend sûrement pour quelqu'un d'autre. Si tu le dis. Je n'insiste pas pour l'instant, mais tu vas bien devoir me raconter ce qui se passe. Tu risques d'avoir besoin de moi. Ouais. Alors, pourquoi tu me cherchais? Je dois trouver quelque chose pour le professeur Fig dans la réserve de la bibliothèque. Et effectivement. Il ne peut pas y aller lui-même? Il a été appelé par Black au dernier moment. Je pourrais attendre de recevoir un mot de sa part, mais... Tu veux lui montrer que tu sais prendre des initiatives? Exactement. Oh. Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et n'en parle à personne. On va pas poser de questions. À tout à l'heure. Parlons pas trop avec un serpentard. C'est pas que je ne lui fais pas confiance, c'est que... voilà, on est... Oh. Ouais, c'est bien devant la bibliothèque. On est parti. Tu vois ça? C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfet n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scribe. Alors fais en sorte qu'il ne te voit pas. C'est bien compris? Je peux me faire discret. Allons-y. Un petit instant. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible? Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits, faisons un essai. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Il y a un sort, moi? Ah, mais on va l'apprendre, non? Nouveau sort débloqué, des illusions. Bah, très bien ça. Vous évite d'être détecté dans les zones internes. Mais c'est top du top ça. Entrer discrètement dans la bibliothèque. Alors il faut que je l'équipe le sort bien sûr. Inventaire, on a eu quoi de nouveau? On a eu une page. Lettre de la sœur du professeur Sarah. Ok. Et là on a le jeton de maison et le bavoule de Zenobia. Ça c'est les objets de quête que l'on a. Ok. Moi ce que je veux voir c'est les sorts, donc quête carte, équipement inventaire, collection, talent, c'est dans quoi qu'on a les sorts déjà? Où est-ce qu'on équipe les sorts? C'est dans l'équipement? C'est pas dans équipement, c'est dans quoi? Dans collection? Pas du tout. Carte, niveau 12? Je devrais avoir un point d'interrogation logiquement sur la chose, non? À moins que ce soit ici en bas. Revelio. Non. Ça c'est le Revelio. Ah, c'est côté droit, d'accord. RT pour les attribuer. Ok. Je peux en avoir que 4 là? Essentiel. Stupéfixe. Étourdir les ennemis, ça c'est ceux que je ne peux pas, donc lancer de la magie ancienne. Il y aura quoi d'autre là? Allo Homora, ok, on aura Allo Homora et on aura Petrificus Totalus. Oh pas mal ça. Donc là on a ça, on a Réparo qu'on n'avait pas mis.
Lumos, Axio, Levioso. Bah écoute, on va... Non ! Ah non, non, non ! Je vais garder Incendio. Où est-ce que je peux le mettre ? À la place de Lumos ? Je vais le mettre pour l'instant à la place de Lumos. Faudra que je change à chaque fois, de toute façon. Je pensais qu'il y aurait eu un autre système d'attribution. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça envoie le truc, ça, c'est l'autre truc, ça. Silencieux comme la mort. C'est pas mal, ça. Les adversaires proches repéreront, puis enquêteront sur un comportement. Si vous faites arrêter une figure d'autorité, ça signalera l'échec de la mission. D'accord. Ok, très bien. Oh, les préfets aussi, ils ont pas d'autre chose à faire là. Moi j'utilise la truc, disons. Il est de dos, ça passe ou pas là? Oh, ça passe ça. Ah, forcément, ils vont pas se dire qu'un truc qui souffle, c'est dramatique. Oh non, la bibliothécaire est encore là. Vite, derrière l'étagère. Ah, t'inquiète, j'y vais. Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie. Oh là là. En général. Mais ça va aller. Tu vois son bureau, derrière moi? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Oh là, les problèmes. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profites-en pour subtiliser la clé, puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. Ouais, on va faire ça. Bonne idée. Tu l'occupes, je prends la clé. J'ai Sinon, compris. Allô, je t'ai moi. Dit que je t'y ferai entrer. Allô, moi. Et je tiens toujours parole. Crois-moi. Ça serait bien, ça aussi. Ouais. Il y a quelqu'un? C'est toi, Pips? Ah, le Pips, toujours dans les mauvais coups. La clé, elle est là. C'est par où qu'on doit aller. Allez hop. Ça n'a pas été si difficile finalement. Easy peasy là. Hein. Maintenant, je dois trouver ce livre. C'est vrai que j'ai pas encore fait trop de... Oh, celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile. Je me suis fait avoir deux fois. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Ok. Réveillon. Allez, allons descendre. Sympa ce sort. Oh. Utilisez le lancer de base en mode caché pour leurrer les figures d'autorité, les ennemis. Le mode visé permet un mode plus précis. D'accord. Un fantôme. Ne te fais pas remarquer. Il est où? Il est là? Ah bah écoute. Le plaisir. Tranquille, tranquille, on... Chut! Pas faire de bruit. Chut! Chut! La voie est libre maintenant. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Réveillon! Il y a un coffre en bas. Mais qu'est-ce que tu cherches alors? Je cherche un remède pour guérir ma sœur jumelle. Anne, pour qu'elle puisse revenir à Poudlard. Ah bon? Tout le monde a abandonné, mais je ne peux m'y résigner. Pourquoi penses-tu trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne? Non, on a tout essayé. De Madame Blaney à Sainte-Mangouste. Mais je te m'en occupe. Livres enchantés, il vaut mieux éviter ces livres autant que possible. Pas tant à cause de leur tendance à s'envoler des mains de leurs lecteurs qu'en raison de leur contenu absurde qui n'a aucune valeur éducative. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentrons-nous sur ce que tu fais. Réveillon. De quoi s'agit-il exactement? Je le saurai quand je le verrai. Ouais, bah je sais pas moi non plus. C'est bien des mystères. Ouais, non mais je sais pas moi, il me dit ça. Ah, il y a un coffre, les fameux coffres. Ah, c'était bien ça, il fallait être invisible.
Il est dégoûté qu'on l'ait ouvert. C'était bien ça, fallait juste être invisible. Secrets les plus sombres des forces du mal. Impressionnant. Réveillio. Ok, on continue. C'est horrible cette main là avec... Passons, il y a ici toutes les choses dedans, on voit. Il y a l'air d'avoir des coffres. Qu'est-ce que c'est que ça? Des fursins. J'aime bien parce qu'il chuchote. Oh, pivs! Sébastien Palot en bonne compagnie. Ah, l'escroc. En pleine exploration interdite. Chut! Vous n'avez pas à être ici. Ah, quel bâtard. Puni. Il va où? Pivs, n'essaie pas. Le dire. Ah, l'escroc. Je vais le dire. Ah, bah, on est bien. Voilà, super. Au top du top. Oh, maudit Pivs. Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. Bravo! Je peux te faire confiance? J'espère que tu ne vas pas aller voir la bibliothécaire et tout me mettre sur le dos. Pourquoi est-ce que je ferais ça? J'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Ah, le bâtard! Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. Ok. Où est donc passé ce satané esprit frappeur? Je connais le sort idéal pour réparer cette armure. Ah bah moi aussi, ouais, je connais le sort idéal. Donc là, on n'a plus besoin de ça. On va mettre réparo. Protego! Réparo. Réveillio. Petit coffre. Les galions, allons-y. De toute façon, on est grillé. Donc là, on peut juste y aller avec grand plaisir. Le coffre. Bien sûr, des traces de magie ancienne. Cette pièce cache quelque chose. Château de sorcier en patchwork, oh mon dieu. Attends, parce que si on a à se battre, je préfère qu'on ait le bon équipement. Ok, cette chose, c'est ici. Ok. Collection, non, c'est dans équipement. Qu'est-ce qu'on a déverrouillé? Un couvre-chef. Plus 9. Ah ouais, bon, on va le mettre. Ah oui, ah bah celui-là, il est magnifique. Ah bah, il va parfaitement avec notre style. Est-ce que j'ai le droit de pas mettre de chapeau? Ah ouais, je peux ne pas mettre de chapeau. Ce vêtement est invisible. Ah, c'est pas mal. Après, le béret donnait un style, mais on va quand même l'enlever. Équipement, et on a quelque chose d'autre qu'on a... Ah, on a récupéré. Est-ce que ça, ça change aussi le... Non, ça change rien, par contre, ça, d'accord. Non, ça change pas du tout les propriétés de la baguette, plus de dégâts. Et au niveau de la collection, on est déjà niveau 12. Alors, je sais pas combien il y a de niveaux en tout. Mais il y a l'air d'avoir du niveau, hein. Donc là on est bon, c'est encore Poudlard qu'on a déverrouillé là. Ou c'est un autre endroit? Non, c'était Poudlard. Quel est l'endroit qu'on a exploré? Préolard, non. Ah, c'était là. Ok. Il y a encore pas mal de secrets à découvrir. On a 34 sur 150. Tellement de collectibles au final. Alors ça allonge parfois la durée de vie un petit peu de façon artificielle, mais bon. Allez, allons-y, examinons. Le passage. Oh. Je vais remettre le sort. Je vais remettre le sort. Tac. Je peux pas changer? Si. Je vais remettre Lumos en haut, là. Lumos. Voilà. On a l'air d'aller dans les abysses de je ne sais où là. Oh, le gros coffre. Ensemble nonchalant bleu cobalt. Mais ça, c'est typiquement une collection en fait. Ce n'est pas du tout un équipement, on est d'accord. Ah si, c'est un équipement. Qui donne plus 24 et on arrive à... Ah oui, c'est un équipement légendaire. Par contre, je le trouve pas joli du tout. Ah ouais, mais maintenant, je vais faire attention à... Ah ouais, c'est vrai que... Faire attention au... Ah, celle-là, elle est sympa. Préfet avec gilet. Après, on n'est pas préfet. Hein. Alors que l'univers scolaire... voilà, l'uniforme scolaire, on est dans là. On est dans... Où peut-elle bien mener? Bah, écoute, on va voir. Oh, ça sent le donjon. Ça sent le donjon.
Ok. Qu'est-ce qu'il y a à faire là-haut? Action. Non. Les vieux sont. Non. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça? Lumos. Ah. Ah, je dois réveiller cette rune. Ah, ah oui. Quoi? Ah, lui lancer un sort basique, oui, ça marche aussi. Ok. Réveillio. Oh, il y a des ennemis. Des gardes. C'est pas surprenant. Levioso. Oh, le plaisir quand même des combats. C'était quoi ça? Oh là! J'avais pas vu qu'il y en avait d'autres. Ah mais le problème c'est que ça, si j'utilise la machine enchaîne, je sais pas si vous avez vu en bas à droite, en dessous d'enchaînement, il y a deux barres bleues, et ces barres bleues me font one shot quelque chose. Hein. Vos compétences en magie ancienne s'améliorent en attaquant, en parant, en subissant des dégâts. Les enchaînements de plus 10 coups généreront des bonus de magie ancienne. Récupérez pour remplir votre jauge. Ok, c'est ces petites jauges de trucs là. Ah et ça one shot en fait, d'accord. Revelio. Et une rune là juste en bas. Oula. Levioso. Levioso. Action. Ah le plaisir hein, quand même de se battre là-dedans. Et ça si je récupère du coup. Ok ça fait les enchaînements. Action. Action. Revelio. Comment j'ai accès à ce coffre? Il y a une rune, il y a quelque chose? Revelio. Comment je peux le prendre celui-là? Oh la boulette. Ah mais là il y a quelque chose dessous. Revelio. Ça doit être ça alors. Peut-être qu'il faut faire ça. Et après l'activer. Parce que là il n'y a rien d'autre. Ah j'aurais bien aimé prendre le... Ah je pense que vu que ça fait dans les deux sens, je pense que c'est ça. On va voir mais je pense que c'est ça. Ou sinon c'est juste pour revenir. Comment je peux faire pour le prendre ce coffre? Action. Levioso. Revelio. Je ne sais pas. Eh bien, c'est bien dommage. J'aurais bien aimé le récupérer et voir ce qu'il y avait dedans parce que pas sûr qu'on puisse ensuite revenir à moins que ce soit là. Oh! Le plaisir. Ah, la cape académique. Bien vu. Voilà qui est bien. Une cape académique qu'on récupère. Ah j'aurais été un petit peu frustré peut-être vous aussi de ne pas la récupérer. C'est uniquement un... Non d'accord. Ah ça ce sont le bestiaire qu'on a vu. Donc ennemi, sentinelle de Pancide. Où, c'est les deux sentinelles de Pancine qu'on a vu, d'accord, ok. Et on a vu donc dans l'équipement, on a récupéré quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était une tenue, une cape. Elle est encore plus forte que notre tenue héroïque. Oh, montrée à 53. Et puis écoutez, je vais m'en noter. Par contre, toute blanche comme ça, ça donne un style. La petite cape académique. Allez. Continuons ce donjon. Il faut pas tarder, hein. Il faut aller assez vite. Hein.
Hop là, ça va. On a réussi à passer. Revelio. Ça sent je les combats. Je dois sûrement emprunter cette porte. Ah oui. Mais où mène-t-elle? Il y a un passage par là-bas. Ça doit être la même que tout à l'heure. Passage par là-bas. Est-ce que le passage est là? J'ai peur de tomber. Revelio. Je regarde un petit peu partout. J'y suis presque. Il faut que je fasse attention. D'accord, là-bas il y a ça. Ah, on voit la plateforme qui est là-bas, en bas. Revelio. Il y a bien une plateforme en bas, mais pareil là, pour y accéder. Aucune idée de quoi, du comment. Casquette de renaissance. Parce que là, si je... La chute. La chute. D'accord, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Non ! Bah c'était bon là. Ah, d'accord. Il est hors de question qu'on ne prenne pas ce coffre. Les amis, il était hors de question qu'on ne le prenne pas. Tenue à rayures couleur bois. Ah oui, d'accord, avec une flèche, ça nous indique si c'est mieux ou pas de, que ce que l'on a déjà eu. Ah ça, je peux pas le mettre? Ah ouais, il faut être niveau 13. Ah bah c'est super. Et par contre, la cape est moins bonne. D'accord, ça descend de 5. Mais bon. Ah ouais, c'est une cape... Mais du coup, on peut mettre, si on a envie, je crois... l'apparence de la cape qu'on vient de récupérer. Voilà. Cape à rayures couleur en bois. Ah, c'est super sympa. Je me régale. Je me régale. Hop là. C'est tout bon. Mais comment j'ai pas vu la première ici. C'est ça que je me demande, comment j'ai pu rater là le passage. Allez. Ah, il y avait un petit coffre aussi ici. Écharpe, une petite écharpe en plus. Et du coup on collecte beaucoup là hein, au final. Une écharpe légendaire plus 16. Ah, par contre, elle est magnifique, l'écharpe qu'on a de Gryffondor, on va la laisser. Celle-là est vraiment très très belle, hein. L'écharpe de maison à franges. Il y a c'est difficile de faire bien mieux. Ok, c'est parti. Combat. Levioso. Levioso. Action. Levioso. Action. Levioso. Incendio. Action. Oh, le plaisir de les enchaîner. Levioso. Levioso. Action. Ah! Levioso! Action! Levioso! Ah ouais, c'est plaisant les combats. Aïe! Aïe aïe aïe! On s'est fait mal, mais tout va bien. Je peux récupérer les. Ah, les boules, je les ai pas récupérées! Terrible. Ah. Oh, si vous vous souvenez ça, c'est pareil que dans le coffre de Gringotts, on avait une première. Ce n'est qu'un livre. Première.
comme ça, réceptacle à pancine, avec une pancine, une fiole qui était au-dessus. Là, c'est un livre. On va voir ce que nous réserve donc cette petite bibliothèque et cet endroit caché. Qu'est-ce qu'on devait trouver ici ? Ah, c'est une pancine, effectivement, une pensée, on va la lire. Mettons la tête dedans et regardons qu'est-ce qui se passe. Plonge dans le souvenir de qui ? Quel est cet endroit ? Ah, c'est le souvenir de l'homme, donc d'accord, qui avait déjà fait la première, qu'on voyait construire la salle à Gringotts. Celui qu'on voit en statue. Quelle est donc cette petite fille ? Vous vouliez me voir ? Directrice Fitzgerald, professeur Rackham ? Miss Isidora Morganac, bienvenue. Professeur Rockwood, professeur Bakar ? J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en cinquième année n'est pas une situation habituelle. Tiens. Eh bien, en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en cinquième année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac, hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau. Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie, partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais ça m'a paru très réel. Ce n'était pas votre imagination. Percival, professeur Rackham peut les voir aussi, mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est ? Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée. De la magie ancienne ? Peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier ? Avec un peu d'entraînement. Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Ah ! Ah, elle a pas l'air... Ah ouais, là, c'est pas tombé sur la bonne personne. Je ne crois pas qu'elle soit si coopérative que ça. Alors là, je vous le dis. Oh, Sébastien. Le... Aïe. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes encore à rôder dans la réserve, ce que je vois. Je croyais que c'en était fini, de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur.
Mais... Cela étant dit, Peeves m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire. Vous êtes intelligent. Ne gâchez pas cette chance. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Oh, Sébastien. Oh, Sébastien. Que va en penser votre oncle ? Ah, le Peeves. Ah, l'horreur. Ah, l'escroc. Terminé les quêtes principales. Nous avons quitté la troisième étape. Revelio. Partons d'ici, sortons de cette bibliothèque, vite. Non, c'était pas moi. Tombé dans la salle du Closesser Fig. Bien écoutez, ok, on a appris donc une forme de magie. Donc il y avait une autre personne qui a pu voir cette forme de magie. Elle avait pas l'air très coopérative. Ce serait pas le truc où il y a les fameuses clés là à côté. Mais elle a pas voulu à mon avis garder tout ça secret hein. Je ne le vois pas comme ça. En tout cas on se débrouille plutôt bien. On a trouvé des belles choses. On a des beaux habits. Et ça j'en suis très heureux. On a du style. On a du style. Il faut que je monte. Hop là, retournez voir le professeur Fig. Personne dans les... C'est vrai que le soir, nous, on a le droit, c'est... Ça va. Tant qu'on se fait pas choper, apparemment, on a vraiment le droit de se balader. Ah, ça, ce sont bien, donc, les toilettes des filles avec... d'enfants. Revelio. On est bien d'accord, donc... Le polynectar qui est vraiment fait... Je pense que c'est ça. Hein. Je n'aimais très que peu de doutes sur l'easter egg. Voilà. Ouais, je n'émettrai que peu de doutes. Les toilettes des filles qui étaient cassées, hors service. Ah oui, ah bah celui-là il est pété. Ah ouais. Je pense que c'est ici qu'il faisait le polynectar. J'ai vu qu'il y avait un coffre à œil juste derrière, celui des toilettes. On va bien vérifier que c'est ça. En route pour de nouvelles aventures ? Oui, oui, alors attendez, parce que là, moi, je veux voir. Du coup, on va enlever le Lumos et on va mettre, hop, le... On utilise le sort, donc, pour se mettre en invisible et je le pense. Voilà, effectivement, il ne nous voit pas. Si je l'enlève, là, pour voir. Ouais, en fait, du moment où il me voit, c'est pas bon. Si je me cache, est-ce qu'il me voit, là? Non, là il me voit plus. Et je peux l'ouvrir. Ok, il y a 500 galions dedans. D'accord. Ok, donc on pourra ouvrir tous les petits coffres à œil qu'on a vus. Revelio. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Incendio. Incendio. Comment on va le faire ça? Action. Incendio. Ça va pas aussi loin ça. Ah, il y a un coffre là. C'est hors de niveau 1. Qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut pas du tout le faire ça. Leviosa. Action. Revelio. Il y a pourtant quelque chose à faire avec ça. À moins que je me mette là. Incendio. Je peux pas du tout. Ah, j'aurais bien aimé. Incendio. Ah, je ne peux pas. Ah, la tristesse. Ah, la tristesse quand tu n'arrives pas à faire ce que tu veux faire, c'est horrible. Ok, on verra, il y aura peut-être après aussi des sorts qui... Revelio. Permettront de découvrir au fur et à mesure les choses. On va aller voir le professeur Fig et puis on va terminer là-dessus, je pense, la vidéo qui fait 54 minutes déjà. Mais en même temps, voilà, le plaisir, hein, comme on dit. Tom, quête commencée, apporter le livre au professeur Fig. Pourquoi toujours apporter au professeur Fig? Attendez, parce que là... Vous n'êtes pas sérieux. Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood? C'est absurde. Et pourtant... C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde.
Et pourtant... Inhabituel. C'est inconcevable. C'est... Ah, Fig. Vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. Oui. C'était un livre que nous cherchions. Ouais. Je sais pas si tout lui dire, toujours. C'est... Une minute. Je sais pas qui est cet homme. Vous avez accédé à la réserve ? Comment ? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Non mais lui, il a pas vu le souvenir. Oh. Oh non. Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Ah, pas de chance. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre pancine ? Dans la barbe de Godric ? Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec trois autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir ? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs ? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de Georges. Qu'allez-vous leur dire au sujet de la mort de Monsieur Osric ? J'ignore ce que je peux en dire. Georges a essayé de convaincre le ministère au sujet de Ranrok. En vain. Mon instinct me dicte de poursuivre sur cette voie pour le moment et de garder les détails pour nous jusqu'à ce que nous en sachions plus. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement en cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas au sortilège. Ah oui, j'ai de quoi m'occuper en votre absence. Bien sûr. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Ouais, moi le professeur Fig... Ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. Ouais. Moi, je reste convaincu. McGonagall nous a dit, pas McGonagall, Weasley nous a dit que voilà, elle se méfiait de Fig. Si Weasley se méfie de Fig, on se méfie de Fig. Ah, Sébastien, lire le courrier. On a un courrier. Il est temps de montrer tes talents de duelliste et d'essayer de remporter le titre. Retrouve-moi à l'endroit habituel pour la dernière manche de shoot magique. Oh, et le mannequin d'entraînement est toujours là. D'accord. Retrouve-moi à Campolar en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. D'accord. Nati vous a envoyé un hibou express en vous demandant de retrouver à Campolar en bas un hameau. D'accord. Ouvrez la carte. Carte du monde. Oh, on va pouvoir explorer les hameaux. Ok. Oh, est-ce qu'on irait pas voir demain Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Très bien. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe. Très bien. Ça y est, je pense qu'on est officiellement lâché dans le jeu avec le monde ouvert. Et qu'on va pouvoir se régaler. Pas mal de quêtes. Pas mal de quêtes en cours, du coup. La fille d'Ouagadou, donc qui est une quête quand même de... Ok, niveau 4, niveau 3, là on est vraiment overlevel. Hein. Devoir du professeur E4 pour avoir Expelliarmus. Les clés du dédale qu'on n'a pas fait, retourner voir avec Nelly avec le son. Le bave-boule, on en a trouvé qu'une sur 6. Les jouets magiques manche 3 pour une tenue. Et l'entraînement aux enchaînements de sorts. Parler à Lucas, Brat le beat ou pour faire là. Donc eh bien, écoutez, demain on aura pas mal de travail. En attendant, eh bien, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. J'espère que vous avez profité de cet épisode et passé un bon moment avec moi. À demain pour la suite des aventures d'Arthur Rey à l'école des sorciers.